Salut les voyeurs. Oh, mais qu'est-ce qu'on a bien dormi. Ouais, et ce matin, c'est café. Un peu comme tous les matins, quoi. Ouais, il est un peu petit, hein. Je me demande s'il va pas en falloir plusieurs. Non, on n'a pas que ça à faire. Il faut qu'on roule aujourd'hui. Oui, parce que... Non, peu importe la direction, mais il faut rouler, parce qu'on s'est rendu compte quand même que... Il reste encore au moins 1500, 1600 bornes pour arriver jusqu'à Hanoï, et ouais. Si on se promène de trop, on va jamais y arriver, en fait. Non, parce qu'on n'a plus que 18 jours avant de rendre le scooter. Ouais, donc 100 bornes par jour, enfin, vous ferez un calcul savant. Ouais, on s'arrête pas, quoi, on roule comme des malades, quand même. Oui, Wiki. Eh ben, moi, je te propose, parce que toi, tu veux continuer vers la mer. Oui. Et il y a le vent qui souffle très, très fort, c'est pas agréable du tout. Moi, non. Je voudrais rentrer un peu vers les terres. Donc on va le faire à Chifoumi. Et voilà, comme, je trouve que ça c'est un bon compromis, quoi. Ouh là 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 là, j'ai peur. Donc et pas de triche, madame. Il y a pas de puits, hein. On est d'accord. Ouais. Pierre, feuille, ciseaux. Basta. Bah, vous laisserez quand même en commentaire si vous avez pierre, feuille, ciseaux, parce que moi j'ai le puits en plus. Ouais, le mais puits. Wiki, il n'en veut pas. Moi j'ai aussi une pyramide et puis un lac. Mais ouais, bon. N'importe quoi. Allez, bon, t'es allez, prêt. Ouais, t'es allez. Prêt. Allez. Chifoumi. Chifoumi. Et voilà, le problème est réglé. On part direction, à gauche, la montagne. Eh oui, madame. On reviendra à la mer, on n'a pas le choix de toute façon. Mais on peut changer un peu. Donc, de toute façon, c'est pas la mer dont je rêvais. Ah, bon, ça tombe bien alors. Ça tombe bien alors. Ce qui est absurde, c'est qu'il va y avoir des kilomètres. Hein. Parce qu'on... Ah, t'as déjà fait ton plan, en fait. Ah, bah, si t'as, on prend la montagne, oui, bah, l'autre côté, il y avait aussi des kilomètres, ouais. Avec vent de face. Ouais. Là, je sais pas ce qu'il y aura. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va grimper et que on va rouler. Attention les fesses. On va avoir froid. Non, on va pas avoir froid. On monte pas à 4000 mètres. Tu dis, on va à la montagne. Bah, et alors, à la montagne, tu peux être à 1400, 1500 mètres, il fait quand même 25 degrés. C'est pas très chaud, hein. C'est bien quand même, non. Voilà. Allez, petite pause, on a fait que 10 km. Nous sommes sur le port de pêche de Lazy. Et oui, hier je me posais la question, on dit Lagi, on dit Lagi, ni l'un ni l'autre. Lazy, pareil que la boucle de Haziang. Voilà. Donc ça c'est bien. On est déjà venu faire un petit tour hier soir. C'était bien parce qu'ils déchargeaient des bateaux. Mais là, à cette heure-ci, il n'y a rien. Donc, et d'ailleurs, c'était des gros sacs de couteaux. Oui. Il n'y avait que ça. Bon, bah, on va quand même prendre un jus de canne et ensuite on reprend la route. Il y a un vent, les amis. Terrible. Ouais. Alors déjà, il y a beaucoup de vent, mais en plus, on l'a de face. Ouais. Puis en roulant à 40-50, ça amplifie. Et malgré la bonnette, hein, pour éviter justement ce bruit de souffle, bah, ça change rien. Incessant. Ça souffle tellement. C'est pour cette raison que nous mettons une musique quand nous faisons les trajets. Et vous avez posé la question, on va entendre le bruit ambiant. Ben là, c'est impossible, il n'y a pas de bruit ambiant. Non. Donc, Et puis, c'est toujours plus sympa avec de la musique. Ouais. Oh. Ouais, mais surtout la route, oui, c'est oui, pas agréable. Oui, donc là aujourd'hui normalement, bon petite pause ici, après c'est fini. Pour finir, on a encore changé d'avis, hein. Du jus de canne, on est repassé au café. Ce matin, il n'était pas terrible. Non, il était pas terrible. Moyen. Ouais. Ça arrive parfois, hein. Ça dépend comment il a été préparé. Donc aujourd'hui, on va soigner le mal par le mal. Ah ouais, alors déjà on va faire j'ai la pas mal, j'ai non, pas mal. T'as pas mal aux fesses. Bah, tu vas voir si t'as pas mal aux fesses. Je pense qu'on devrait faire 240 à 250 km. Vous parlez de vacances, vous ? Donc, la moitié en route de montagne. Donc, Il y aura peut-être moins de vent. Oui, pas au départ, mais après, effectivement, il y aura peut-être moins de vent. Ce sera peut-être plus sympa. Il y aura la neige. Ouais, tout de suite. Plus que plus. Hein. Vous avez vu ce moment de doute ? Je me souvenais plus si c'était une cuillère ou une paille. Je suis resté bloqué, là. Et bon, fouf, j'ai pas aspiré, j'ai pas passé pour un idiot. C'était une cuillère. C'est vraiment le chantier, hein. Bah, c'est le port, mais c'est également chantier naval. Ouais. Enfin, on serait pas devenu, c'est pour la blague, on serait pas devenu des fans de chantiers navaux. Bah oui, non. Un chacal des chacos, un chantier naval des chantiers navaux. Ouais. Pas compliqué quand même. C'est de là que ça vient, tu crois, qu'est naveau, en breton. Je sais plus. Qu'est-ce que t'as découvert? Non mais c'est fait maison, c'est un truc de dingue. J'ai posé la question, j'étais pas sûr. C'est pour tirer les filets en fait. À l'intérieur là, viens voir. Regarde comment ils ont fait ça. Avec des fers à béton, soudés. Ah oui.
Eh oui, c'est bien. Allez, dépêche-toi là, 250 km. On va pas on n'est pas aux pièces, hein, il y a à peine 9h. On va y arriver. Hein. Dépêche-toi, mais en fait, maintenant c'est toi que j'attends. Hein. Prise sur le vif. Hein. Ils sont beaux ces poissons. Allez, cette fois-ci, c'est bon. C'est vraiment top, hein. C'est beau, hein. Ouais, tous ces bateaux, les couleurs et tous les drapeaux, là, parce qu'ils sont fiers. Les drapeaux vietnamiens, ils flottent. Hein. Il y en a, hein. Une pause s'impose, wiki floriste. Pas faite celle-là. Wiki pépiniériste. Non, c'est toi normalement tout ça. Mais je me dis, putain, c'est quoi tous ces champs là? On dirait un peu comme l'aloe vera, mais pas du tout. Non, même pas si du ça tout. Ça ressemble un peu. Ce sont la culture du fruit du dragon. On connaît tous ce fruit maintenant, mais par contre, qui a d'ailleurs pas un goût extraordinaire au niveau du sucre. Hein. Oui. C'est pas mauvais, mais c'est pas très sucré hein, comme un fruit. Rose ou blanc à l'intérieur, ben ça c'est l'arbre. Regarde. Je te quitte, j'y vais. En plus, il faut que je descende et tout. Voilà. En voilà des. Il n'est pas fruits. Mûr, hein, mais non, évidemment. Mais... Hein. Ça pousse comme ça. Et la plante ressemble à ça. Alors là, il y en a. C'est à perte de vue, ça. Ouais. Après la culture du fruit du dragon, le sel. C'est le moment de faire quelques réserves parce qu'il y a des pays où on n'en trouve pas souvent du sel sur la table. C'est du gros sel, hein? Ah oui, bah oui. Ce serait presque du sel de Guérande, mais vietnamien. Toujours les mêmes qui s'y collent, hein? Oh, regarde là-bas, il y a un gars, il est en train de faire le champ. Va faire des images. Tranquille. Oui. Écoute, je patiente. Il faut bien tenir les coussins, tout s'envole. Attends-moi. T'es un petit malin, toi. Hein. Mais bien sûr, je t'attends, maman. Allez, go. Wiki n'ayant pas trop envie de travailler sur la vidéo. On s'est arrêté pour vous montrer un fruit du dragon. Voilà, ça ressemble à ça. Et dedans, comme l'a dit Wiki, c'est blanc ou rose avec des petites graines. Mais là, ils ont tous été récoltés. C'est de la chance parce qu'on n'en a pas vu quasiment. Ouais. Il y en a un seul. Il n'y en a qu'un seul sur tout ça le champ. Ça fait ma bande qu'on envoie des champs. Un endroit bien étrange ici. En fait, la route elle est plus exploitable là-bas. Donc j'ai pris ce petit chemin. Bon, on peut pas aller au bout, mais le but c'était de voir ça. Regarde, juste en face, le phare du Cap Kega, si je prononce correctement. Il est loin ce phare. Oui, il est sur un îlot en face. La couleur de la roche. Un phare comme ça là, la mer qui vient taper sur les rochers, on a l'impression d'être un peu, sur la côte de granit rose en Bretagne. Hein. Ouais, c'est genre le mec qui parle du Mont Saint-Michel et qui a jamais eu le Mont Saint-Michel. Non, mais la côte de granit, oui. Je l'ai faite à pied. C'est bon, tu te calmes. Je l'ai faite à pied, oui. Toi aussi d'ailleurs. Oui, j'étais là. Et donc, là, c'est, là. Ça, c'est exactement la même couleur. C'est vrai. Et c'est le vrai. Phare pourrait être un phare breton. Ouais. Ah non, on est pas mal là, quand même, amour. Profite, c'est la dernière fois que tu vois la mer. Enfin, pour le moment. Allez, Mich, cascade! Bien!
Je suis soulagée, nos bagages sont là. On nous les a piqués. En même temps, il n'y a pas grand monde par ici. Non, il n'y a personne. On n'a pas pris un gros risque. Eh ben, mon ami, on n'est pas arrivé, je te le dis, moi. On a fait un cinquième. Il nous reste encore 195 km. On est bon, hein. On est dans les temps largement. On va arriver à 26h ce soir. Ouais, peut-être, 26h30. Même. Allez, regarde la mer encore une fois, là. Ça fait du bien ce Pepsi. Oui. Tellement du bien que c'est déjà terminé. J'avais trop soif. La côte est pas géniale, géniale. Ah, elle est surtout, on a que des résidences en construction ou alors en état de délabrement. Ouais, voilà. Et ce qui est bizarre, c'est que en fait, les travaux, ils sont pas faits comme chez nous. Non, ouais, il n'y a pas d'abord les maçons, ensuite on va dire allez, les plaquistes, puis les peintres. Non, non, tout le monde en même temps là. Ouais, donc il y a des parties qui sont hyper terminées en fait, peintes et tout. Ils sont le même chantier à côté, ils sont encore en train de mettre les briques. Ouais, bon, c'est comme ça, hein, c'est leur façon de faire, c'est pas gênant. Hein. Donc ouais, bof, c'est moyen. Mais il y en a quand même beaucoup, beaucoup qui sont délabrés. On pourrait faire de l'urbex sur toute la journée, si ouais, on veut. Ouais, ouais, ouais. C'est il fou. Des, hein. Il y a des tas de trucs en ruine, c'est triste, hein, mais c'est comme ça. Et on constate quand même aussi que c'est pas très très propre. Non, c'est pas très propre. Parfois, faut le dire, hein. Pas parce qu'on le dit quand on est en Inde, on le dit quand on est ailleurs. Hein. Ouais. Sinon, c'est un peu pas correct. Non, le vent, il y en a énormément. Ouais, ça souffle bien, toujours. Du coup, ouais. Les kilomètres, on a l'impression qu'ils se rallongent. En fait, on va jamais y arriver. On verra, on verra. Il y a un moment, on va prendre la gauche et ce sera fini. On va monter. Ouais. Là, il y a encore un peu de plage. Je pensais que ça serait terminé, mais non. On trouve toujours une petite route qui nous ramène au bord de l'eau. Et on boit quelque chose, tu veux boire quoi? Oui, on va boire quelque chose. Pourquoi on s'est arrêté ici? Ben voilà, vous avez le panneau juste face à vous. Et en plus, le monsieur parle un tout petit peu français. Ouais, un tout petit peu. Non, c'est là le soleil, c'est comme ça, Wiki. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, monsieur, il est juste là le soleil, il est juste au-dessus de toute façon. Donc ce monsieur parle un petit peu français, quand même bien. Bonjour, comment allez-vous? Je m'appelle Tan, qu'est-ce que vous voulez manger? Ça va quoi? T'as réussi à te blesser un tout petit peu avec une herbe pour que monsieur il vienne mettre de la pommade. C'est gentil, c'est de la pommade américaine. Oh bah alors là on est sauvé. Ah d'accord. Ouais. Néo. Mastic. Néosporine. Mastic in live in America. Tacite. D'accord. Yeah. Pendant que Mamour se fait soigner, elle est toute contente, on s'occupe d'elle. Je me demande si elle ne s'est pas entaillée elle-même la malléole, mais c'est pas grave. Donc on fait un peu le point route. Donc on a déjà parcouru 130 km. On est au nord-est du départ, donc de l'Asie. Et nous sommes ici à Zabak. Yes. Zabak, je ne me suis pas trompé, c'est bien, j'ai prononcé correctement. C'est génial, ce petit monsieur nous montre ses cahiers de souvenirs. À chaque fois qu'il y a des touristes qui s'arrêtent, ils mettent leurs photos, un petit mot. Il y en a certains qui mettent un peu d'argent. Ouais, une pièce. Une petite pièce, quoi. Ouais, ouais. Mais il y en a plein. En fait, tous les gens qui ne prennent pas l'autoroute passent par là. Et comme il y a un panneau
devant chez lui pour annoncer de la nourriture, les gens s'arrêtent. Le seul truc qui est sûr aussi, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va manger. Non, surprise. On nous prépare quelque chose, mais alors quoi ? Surprise. On verra. J'espère que ce sera une soupe de crabe. Bien sûr, nous allons participer, écrire un petit mot. Et en plus, dans mon permis international, j'ai même des photos d'identité à foison. Les photos de tueurs. Oh ouais. Wiki découpage. Je vais la récupérer. Oh là là. Oh là là, on a fait faire ciseaux. Un meurtre. Elle dépote celle-là. Elle est belle, hein. Une nouvelle. Et oui, on va découper nos photos. Oh, des nini. Ah, il y en a des ninis. Oh là là. Une mère et ses petits. Deux, je vous les montre pas, hein. Des chiens sauvages. Ça y est, ils sont partis. Alors ? Je découpe, je découpe. Après, on va faire la colle. Oh, les tronches. Je vous dis pas les têtes qu'on a sur ces photos. Oh là là, tu me files les crayons de couleur, s'il te plaît ? T'arrêtes un peu. Cherche dans le porte-monnaie une pièce, là. Alors là, les amis, c'est festin. Festin de roi, même. Grave. Des haricots verts, de la viande, du bouillon, une omelette, des tomates, du pichon. Du pichon, ouais. C'est maman qui est contente, du coup. Quand les assiettes sont arrivées, maman m'a dit tout de suite, bon, je te laisse la viande et moi, je prends l'omelette. Mais elle a oublié aussi de préciser qu'elle allait manger le poisson. Je vais goûter, je vais goûter. Mais bien sûr. Par contre, il est... C'est, je compare à chez nous, il n'est pas vidé le poisson. Ah ouais, ben... Non, c'est tout. T'es sûr? Ah oui, je suis sûr, ouais. Mais okay. C'est pas grave, on ne mange pas l'intérieur pour autant. Oh, c'est pas fini. Oh là là, du riz et tout. Encore super. Du riz en plus. Bah, c'est voilà. Énorme. C'est merci énorme beaucoup. Le repas. On va dormir ici parce qu'on n'aura plus de force pour reprendre la route. Bah 200. Ouais, 200. On n'est pas bien installé sur une BM, confort, tranquille. Ça, c'était avant, ouais, il y a bien longtemps. Là ? On est bien installé sur un Honda 110 cm cube blade. Non, la route était sympa. Il y a une partie de route qui était très sympa. Ouais, ensuite, après le repas, pendant 30 km, c'était moyen, 30-40. La route était agréable, il y avait des odeurs de pin, d'eucalyptus, franchement c'était très très agréable. Par contre le revêtement au sol, tout bidon. Et là depuis 30 bornes, on est sur la grande route maintenant, il n'y a plus le choix, hein. Il faut suivre. Alors, les bus, les camions, tout, mais bon, il faut bien rouler. Par contre, ça avance. Ouais, ça avance. Et nous sommes là pour remercier les tipeurs du jour qui ne sont autres que Mimi et Didier. Moi merci. Aussi je peux le faire. Un bon jus de canne. Ah ouais, ouais. Oui, c'est la minute de blindage en même temps, donc on est face à la route, bien sûr. Hein. Et alors là, ça défile. Hein. C'est pas une autoroute, mais on y est presque. Plus que 50 bornes, maman. 50 bornes. Le mal par le mal. Nos fesses seront dures comme du béton. Sans aller à la salle de sport. Non, il n'y en aura plus du tout. On sera sur l'os. Maman, c'est moi qui l'ai fait, t'as vu? Et voilà, il fait frais là à la fin. Oui, il fait frais. On n'est jamais rentré aussi tard, il est quand même 17h. On a mis 8h, ouais. 250 km. On est bien. Regarde, il y a un chat de poule. Truc de fou. Bon, on va faire le check-in. Allez. Laissez-moi. Oh non, non, non,
non. Tu te refais pas il y a deux secondes sur la motobike. Non, pas du tout. J'avais mal aux fesses, je vous dis pas. Cet hôtel, une pépite. C'est clean, à l'accueil, tout nickel. Nous, on arrive comme des savates, mais bon, c'est pas important. Nous avons une clé magnétique. C'est assez rare pour nous dans les hôtels. Un très grand placard. Nos sacs sont à l'intérieur. On quitte ses chaussures. Bravo. On va dans la salle de bain. Alors. Elle est grande, hein? Ouais, bien. Bien, bien. Distributeur de shampoing et de gel douche. C'est merci, Wikidée. Toilette. Bravo, Wikidée. Serviettes, ouais. Du dentifrice, des brosses à dents, des petits verres, un séchoir pour nous, mesdames. Pof, pof, pof. Un immense bureau. Une boîte de thé complète. Je ne mens pas. Il y en a plein. Deux bouteilles d'eau à disposition, une bouilloire. Ouais, ouais, ouais. Très, très bien. Et toi, travailler parce que c'est un pouf là en dessous. Oui, c'est pour toi. Ouais. Oui, c'est un pouf, bravo. Hein, mais. Un frigo. Ouais, bah, bravo, ouais. Un sofa. Waouh. Il est pas beau ce sofa. Vous voulez connaître le prix? Il va falloir patienter encore un peu. Une belle chambre, c'est Tommy Hotel. Une belle chambre, une belle lit, quoi. Un beau lit, un beau lit. Décoration épurée, Wiki. Télé, elle est là. Ouais. Cerise sur le gâteau, c'est pour toi, Wiki, que j'ai booké cette chambre. Parce que c'est moi qui ai booké. Moi, je fais tout, moi, je fais tout. Regarde, viens, petit. Oui, mais je viens. Tada. On a un petit balcon, c'est sympa, oui. Hein. Dis donc. Et surtout. Et oui, je viens de le voir, une pagode, vue sur une pagode. Ouais. Ça, c'est top. Hein. Ouais, donc qu'est-ce que tu dis? Merci, maman. Bah, très bien. Bah, tout simplement. Comme Bibi. Ouais, comme Bibi. Le tarif pour cette chambre est de 12 euros. Vas-y, ta catastrophe. Ouais, c'est ce que je fais, je suis bien. Allez. Ah, ça fait mal. Le tarif est donc de 12 euros la nuit. Nous avons réservé deux nuits. Pourquoi a-t-on ce tarif si intéressant? Parce que nous avons réservé par l'application mobile Booking. Non, c'est Agoda cette fois-ci. Ouais. Agoda ou Booking, ils se tirent un peu la bourre, ça dépend. Si on passe par l'ordi, on n'a pas forcément ces tarifs. Ben non, la chambre elle est à 24 ou 25 balles. C'est ça. Et ce qu'on fait avec Wiki, c'est qu'on consulte tous les deux le même site, donc Booking ou Agoda en l'occurrence, et on n'a pas forcément les mêmes tarifs. Celui qui a le tarif plus intéressant, Book. Et cette fois-ci, c'est Bibi. Oh, c'est bon. Regardez comme c'est beau. Un ascenseur. On aurait peut-être dû mettre une petite laine. On l'a pas pensé. C'est une journée bord de route, ouais. Hein, c'est comme ça, hein, jusqu'à la fin. On est à ras d'orage, ouais, 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 il y a des camions et tout. On voulait pas faire 800 km pour trouver un petit resto pour manger. Non. Et ce soir, c'est donc rouleau de printemps. Oui. Avec une bonne petite sauce, un peu tiède, mais ça sent très très bon. Bien sûr, une petite boisson. Oui, dans, oui. Dans l'action, on ne sait pas si vous avez bien compris, enfin, si Wiki a bien articulé, nous sommes à Dalat. Oui, à Dalat, oui, bien sûr, bien sûr. Il fallait bien y passer, c'est un passage un peu obligatoire. Nous aussi, on veut visiter cette ville. Oui. Que dire, la route très très bien. Ça s'est bien passé. Peut-être que demain, on mettra un petit guillet parce qu'il fait frais. Oui, en soirée, je pense que la journée, ça doit le faire quand même. Ils annoncent entre 25 et 27 degrés en journée. Oui, parce qu'on est parti de l'hôtel en bon touriste qui reviennent de la plage. Bon, on voulait faire ça vite. Ça pince un peu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et surtout, on voulait boire un coup. Et puis manger un peu aussi. Hein. Non, c'est pas tout de faire des kilomètres. Non, non, parce qu'il y aura des passages obligatoires pour aller jusqu'à Hanoï. Touristique, bien sûr, des lieux touristiques, hein. On ne va pas faire que du hors des sentiers battus. Hein, Mais on peut en faire également. On peut en faire également. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous dit... Bonne nuit les petits. Allez, Pepsi contre Coca.